Tac. Coucou YouTube. Et coucou. On est reparti pour visiter. Continuer de visiter cette petite vallée. On a encore plein de choses à faire. Et puis ça va être magnifique. On va adorer. On va adorer chaque instant. Oh, j'ai mon écran qui veut s'éteindre. Alors, où en étions-nous? Que je me rappelle un peu. Parce que moi j'ai eu. Alors. Ah, il y a eu de nouveaux trucs ici. Ouais, mais c'est les. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, on voulait. Merde. Est-ce qu'on a tout fait? Attendez, je me rappelle plus trop. Non. Sentier du sanctuaire, oui, mais ça, je me rappelle. Ouais, je me rappelle de ça. Merde, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Hop. Je me rappelle, c'est un truc qu'on verra plus tard. Ferme fruitière. Oh, elle est là, la ferme fruitière. Bah, je pense qu'on peut la faire. On a récupéré pas mal d'éléments. Je pense qu'on peut aller visiter d'autres choses après ça. Putain, j'en ai des trucs. Oh, qu'est-ce que j'en ai des trucs pour ici. C'est dingue, hein. C'est quoi ça? Non. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Laissez-moi faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Clairement ça. Mais alors là, mais clairement ça. Hop. Ça. Ici, j'ai un peu envie d'en mettre des deux côtés, tu vois. Ça va, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est beau, ça. Je trouve que ça a du sens de le mettre. Ça a beaucoup de sens de le mettre, ça aussi. Plutôt à côté de ça, parce que c'est un peu lié les deux. Ouais. J'ai envie de rajouter des trucs, hein, dans tous les cas. La terre a donné et donné encore, sans relâche. Même pas au dernier instant. Nous cueillons les fruits d'une terre que nous savons mourante. Qui pourrait nous pardonner? Oula. Tu dis de belles choses. Tu dis de vraies choses. Oh, la petite abeille. Là, je viens vraiment de faire une belle image de l'humanité face au réchauffement climatique. Ah, c'est très vrai, putain, c'est terrible. Oh, l'abeille, elle est trop belle. C'est un peu comme ça. Ça, c'est beau, ça, c'est stylé, j'aime bien. Ça rappelle un peu la vie de famille. Le petit verger. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites... Ouais, j'aime bien cette phrase. Oh, juste à côté, ça peut être pas mal. Ouais. Qu'est-ce que je peux mettre? Non, qu'est-ce que j'ai là? Je crois que c'est comestible, quelle odeur terrible. Non, j'ai un trop d'autres ici à rajouter. Des choses un peu jolies. Oh, une petite expo, des instruments qu'il a, c'est sympa. Enfin là, genre au centre. Celui-ci. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est de tout, le beauté et le piano. Bah, ça, c'est pas vraiment un instrument, je suis en train de réfléchir là au centre. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Il y a des cerfs-volants, bien sûr, je veux trop les mettre. Avec le bateau, je trouve que ça fait sens. Non, ça plutôt. Oh, il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses. C'est très beau ici, j'aime beaucoup. Non, pas celle-ci. Écoutez, je pense que c'est temps, voilà, de mettre des petites conneries. Voilà.
petite connerie. Voilà. Oh, c'est sympa ça. Où c'est que je peux le foutre ce truc? J'aimerais que ce soit lisible. Est-ce que c'est lisible? C'est pas vraiment lisible. Oh, je m'en fous un peu. On pourrait mettre un truc à l'intérieur de ce petit panneau. Alors j'en ai trouvé un déjà. J'en ai trouvé un, mais je vais voir si j'en trouve pas un autre. Clairement, clairement ça. Ouais, c'est trop stylé. J'adore. J'adore, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il est cool, ce jeu, bordel. Ok, ça, c'est bon. Ah ouais, ça je sais pas trop qu'est-ce qui me manque, mais je veux le terminer. Jeu de l'oubli, ça doit être un truc qui est pas par là. Et sinon, on a presque tout. On a presque tout, dans le sens où ça, il faut que j'aille encore le visiter, et il y a que cette énigme-là que j'ai pas encore tout à fait... Tout à fait checké. Ce que je veux voir, c'est aussi la carte. Oh ouais, ok. Alors, on a fait 023-024 parce que c'est Sofon et Koshi. On peut continuer par là. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va continuer sur cette rive là, puis au niveau du pont, on va faire tout ce qu'on a manqué. Ça va être compliqué. On en a des choses à voir. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'on en ait autant. Et je doute que... Il va y avoir d'autres choses après. Ah, j'ai pas le droit d'aller voir là. Ok. Voilà. Oh! Je crois que je te cherchais la dernière fois avant de couper. Je veux te parler? Veux-tu aller faire une... Eh bien, une visite guidée? Elle est aussi stressée. Ah, c'est lui qui me demande. Je croyais que c'était moi. C'est bizarre, moi aussi je connaissais pas ma voix. La prochaine visite est à... c'est maintenant en fait. Dire au revoir, fait. C'est comme vider ses poches avant d'aller au lit. Tu vois ce que tu as ramassé? C'est un petit peu plus complexe, je pense, jeune homme. Les choses que j'ai ramassées ont besoin d'un endroit pour dormir. Ok. Suis-moi. Je te suis. Ouais. Reviens. Doucement, doucement, Sofon. Je crois que c'est Sofon, toi. Non, toi, c'est Koshi. j'ai freiné, j'ai pilé. C'est mon arbre. Et comme on ne peut pas l'apporter en ville... Je oui. Me fous de ce qu'on apporte. J'adore okay. Cet arbre. Et papa l'a guéri. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Tous ces trucs violets dans la vallée, ça te fait sentir drôle. Tu te drogues, Koshi? Tu vois. C'est un pochon de Taz, Koshi. C'était violet avant. Et dangereux. Papa a enlevé la partie dangereuse. Il voulait que... toutes les roches violettes soient vertes et sécuritaires. Ouais, il y a un truc avec les pierres. Je sais qu'il y a des plantes qui vivent sous l'eau. Est-ce qu'un arbre peut vivre sous l'eau? Celui-ci ne peut pas mourir. Il a vécu tellement de choses. Allons-y. Je sais pas si c'est le jeu ou Koshi qui a mégenré, mais il y avait marqué elle et il a dit il. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Visite guidée de Koshi, nouvelle page ajoutée. Ah bon? Non, pas ça. Mais il me manque des éléments. Ah ouais. Koshi, le fils de Sofon, m'a amené faire une visite
Guider de la vallée. Attends, il faut que je le rejoigne. Il est où? Ah, il est là. Ok, d'accord. Il faut que je revienne le voir. Parce que tout ça, je l'ai vu. Je suis allé un peu trop vite pour le jeu. Continuez. Allons-y. Ah, j'aurais su. J'aurais pas autant visité. J'aurais su que Koshi me ferait une visite. J'aurais pas forcément... Waouh! Il va super vite. Sentier ouest du cimetière. Oh, la Stargate. Oh, c'est beau. Le cimetière. Je le suis pour l'instant, j'irai checker ça plus tard. Parce que je crois que je prends trop de photos et que je m'attarde peut-être un peu trop. Faudrait que je m'attarde un tout petit peu moins. Parce que... Ah mais ça je l'ai vu ça mon cher Koshi. Ah non je l'ai pas vu ça. Si je l'ai vu. Oh là là c'est beau, où est-ce qu'il m'amène? Oh la vache. C'est trop beau. J'en peux plus hein. Salut Koshi, attends. On a fait un pique-nique ici, il y a bien longtemps. Je m'en souviens plus, mais j'ai vu une vieille photo. Peux-tu en prendre une nouvelle? Ça part. Et je vais m'asseoir comme papa sur la vieille photo. Oh, c'est trop mignon. Quand je zoome, attendez, je veux pas faire de bêtises parce que je sais que je faisais des bêtises. RT photographié, RB zoom, ok. Avec celui-ci. Ah, ils ont des noms. Putain, j'avais pas vu qu'ils avaient des noms. Contraste élevé. Contraste élevé, il est bien. Pastel, j'aime bien. Chaud, j'aime bien chaud. C'est un enfant super. Une fois, maman a disparu. J'ai mis un bon moment avant de la trouver. Elle était assise, juste ici. Et elle était triste. J'ai pris l'une de ses larmes sur mon doigt, comme un petit insecte. Et je l'ai envoyée dans l'eau. Et j'ai dit « Vogue, vogue, vogue !» jusqu'à ce que les syllabes s'en mêlent. Elle s'est sentie mieux. Je le dis maintenant. Je le dis maintenant que tout s'en va, mais on ne veut pas partir. Mais est-ce qu'on va pouvoir... Allez. Parce que... Il y a peut-être une couille, hein. Peut-être qu'ils n'auront pas besoin de partir. Et peut-être une couille dans le pâté. Alors attends, Koshi, avant de partir, on va un petit peu faire le tour. Il y a mille trucs à voir. Oh my god. C'est l'enregistrement du rêve. Oh, chargement. Je savais que mon cerveau faisait quelque chose de spécial. Je pensais me réveiller avec une idée pour une nouvelle forme ou une nouvelle couleur. Tout le monde aurait adoré ma nouvelle forme ou ma nouvelle couleur. Mais au lieu de ça, c'était un rêve qui a fait peur aux gens et qui provoque ton départ. Le rêve m'a fait peur. Mais j'étais aussi heureux d'être vivant. Je suis content de continuer à vivre. Ça ne me dérange pas. Selon l'ancienne,
Ça signifie que la saison se terminera bientôt. Je veux te raconter mon rêve maintenant. Ferme tes yeux et va t'étendre sur le toit. Nous sommes déjà sur le toit. Bien, je vais te raconter le rêve tout haut et tu peux te l'imaginer. Tu peux fermer les yeux. Je te dirai quand les ouvrir. Je suis dans la forêt. Le soleil brille. Mon estomac gargouille. J'ai faim. Je cherche quelque chose à manger. Des arbres fruitiers bordent le chemin. J'en cherche un pour manger. Je grimpe dans un arbre pour atteindre une belle pomme rouge. Je cligne des yeux et... pouf! La pomme est pourrie. On dirait qu'elle est pleine d'araignées. Je cligne encore des yeux et la pomme est un bébé pomme. Ni mûre, ni pourrie. Je perds l'équilibre et je tombe au sol. Les pommes changent de couleur. Certaines sont mangées, d'autres disparaissent. J'entends une voix. Une personne est là, avec moi. Je tente de la reconnaître, mais son visage change constamment, comme si elle était tout le monde. Je lui dis que j'ai faim. Je veux ce que la terre essaie de me donner. Elle répond que ce ne sont pas des pommes. Ce sont les souvenirs de toutes les pommes que j'ai vues. Quelque chose ne va pas avec mes yeux. Et quelque chose ne va pas avec la terre. Elle dit que je dois regarder le soleil pour clarifier ma vision. Elle dit que nous le regarderons ensemble. Et que, quand nous le ferons, elle disparaîtra. C'est ce qu'elle veut. Puis, derrière elle, je te vois, nous observant depuis l'ombre. Tu prends des notes sur tout. Je me sens mieux. Je tourne la tête et je laisse la lumière m'imprégner. Je perds la notion de tout. Lorsque mes sens me reviennent, je me rends compte que je tiens un fruit rouge et rond dans ma main. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'en prends une bouchée, et c'est la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. Puis, je me suis réveillée. Tu as probablement des questions. Alors oui, tout s'est pas passé comme prévu, je dois t'avouer. Quelque chose n'allait pas avec tes yeux, il avait un problème avec la terre. Quelque chose n'allait pas avec tes yeux, je ça j'ai pas trop compris. Des vieilles pommes, des nouvelles, de tout. Ouais. Je ne pouvais pas voir le côté immédiat des choses. Il a fallu que j'oublie un peu. Ok. J'ai oublié son blaze à lui, putain, je suis un peu le seum. Pourquoi est-ce que j'étais dans le rêve? Qui était à côté de toi? Qui était à côté de toi? Le visage de ce fantôme dans le rêve? C'est personne et tout le monde. Elle me rappelle quelqu'un que j'ai longtemps cherché. Ma naissance n'a pas été facile. Pardon, mais c'est... Est-ce que ça a un lien? Ah, je sais plus qui c'était. Ma naissance n'a pas été facile. J'étais plus gros que la plupart des bébés. Après ma naissance, l'ancienne leur a conseillé de ne plus avoir d'enfants. Mais mes parents ont essayé des années plus tard. Ils m'ont dit que je serais grand frère. Oui. Mais nous les avons perdus après quelques semaines. Ouh. Je pensais que c'était de ma faute. J'aurais dû naître en dernier, ou même jamais. Je devais voir cette personne disparue quelque part. Alors j'ai cherché un visage qui m'était inconnu. Je pensais devoir porter cette personne pour toujours. Mais dans le rêve, elle voulait faire partie de tout. J'ai dû les laisser partir. C'était comme si une partie de moi mourait. Ça fait très mal, mais c'est une belle expérience quand on peut.
Laisser une partie de soi devenir une partie d'un tout. Oh. C'est vrai que c'est stylé. Je me sens un peu essoufflé maintenant. Je crois que tout arrive comme prévu. Mais je préférerais quand même que rien de cela n'arrive. Je voudrais que mon rêve ne veuille rien dire. Je voudrais qu'on ait perdu plus de temps ensemble. On est perdu, tout est juste là. J'hésite entre Wessa et un jour nous en aurons. Un jour nous en aurons. Je vais compter les heures d'ici là. Nous descendrons de ce toit ensemble. Et tu continueras à descendre en bas, très bas, jusqu'au cœur du monde. Merci d'avoir écouté mon rêve. Pas de soucis. Pas de soucis. Dans le lore, c'est mon meilleur ami, donc il faut que je me plie à mes obligations. Tellement cynique. Je me plie à mes obligations. Écoute le rêve étrange mais significatif de ton ami. Bien sûr. J'ai oublié de changer le... Attends, je vais faire ça après, parce que je crois que ça va couper le son. Pardon. Bah tu vois, au final, je l'ai fait. Parce que je voulais baisser un peu le son. Il est un poil trop fort. Oh là là, qu'est-ce que c'est... J'avais des capacités de dessin, je ferai la même chose. Season... A Letter to the Future. Hop là! Voilà. Ok. Est-ce que prendre une photo a du sens? À savoir, voilà, genre. À s'élever. Sympa. Hop là. Alors, on continue. Est-ce qu'on continue par là? Non, j'ai un peu envie d'aller voir par où on est arrivé. Là ça c'est quoi? C'est juste la... Oh pardon. Pardon. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie de prendre ça en photo. Avec mon vélo en plus ça va être joli. Parfois dans la joie, parfois dans la tristesse, nous marchons toujours sur des ruines. C'est un peu triste, mais c'est le cas. C'est un petit peu, oui, c'est un petit peu, oui, triste en effet, mais... C'est... Oh, ça c'est joli aussi. Je prends. Oh la vache! Mais attendez, il y a carrément un truc au centre. Trompe, c'est ce bouton-là que je voulais. Qu'est-ce qu'un symbole, sinon un mot qui ne se prononce pas? Ah, c'est très raison. Un symbole, c'est un peu plus qu'un seul mot. C'est une sensation, c'est plein de choses. C'est plein de choses mélangées. Attendez. Les cordes produisent un son apaisant. Ah, c'est stylé, c'est le vent qui passe dans les cordes qui fait ce bruit. Waouh! Je sais pas si ça existe dans la vraie vie, mais c'est incroyable. Hibou! Ça, pour le coup, attendez, ça vaut le coup. Où part
attirant les oiseaux. J'aime bien le sépia aussi. Sera inondé. Bah, eux, étant équipés de d'ailes, je pense que le problème se posera un petit peu moins. Oh, what the fuck? Alors attendez, je veux décaler mon vélo parce que je veux prendre une photo. J'ai peur qu'il faille reculer à balle. Un filtre, ça me paraît très bien. On dirait que ces visages sont emprisonnés. Waouh. Ok. Que ça a à dire? Un peu décevant. Là-bas, il y a quoi? Tout a l'air d'être lié entre eux par ces petites routes. Alors, je pense que... on n'a plus trop grand-chose. Ah oui, ça, c'est Cauchy. Ok, ça, c'est pour revenir de là où j'étais. On va revenir là-bas. Et au-dessus, il y a quoi? Enfin, au-dessus. Quand je dis au-dessus, c'est ouais, par là. Oh, il y a deux routes. Alors, attends. Par là-bas, il y a quoi? Là-bas, je crois que là-haut... ah non, pas du tout. Je pensais que là, il y avait les chutes. Mais pas du tout. Pardon, je suis un peu coincé, non c'est bon. Ok. Oh waouh, il y a une maison. Ah je m'attendais pas à ce que ça mène là. Du coup l'autre route, j'ai un peu le seum de pas l'avoir prise. Merde. On va vite fait checker ce qu'il y a là-bas. Pas qu'il y ait grand chose à voir. Ah ouais, ça continue de fou en fait. Attendez, pardon. Où suis-je? Ah ouais, je suis là. Je suis là. Mais où je suis? C'est bien de savoir que je suis là, mais où je suis? Ah ouais, je suis tout à droite. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je suis complètement... ouais. Ah ben voilà. Ah ouais, je suis là, ouais. Ah ouais, c'est pas du tout là où je voulais aller. C'est juste un petit passage en soi, y a pas grand chose à voir. Ou alors... dessine un croquis. C'est vrai que je me suis pas approché de tous les bancs que j'ai croisés. Peut-être qu'il y a moyen de... de collectionner un peu les croquis. Oh putain. C'est stylé. Hein. C'est très simpliste, mais moi ça me suffit. Hein. Ok, on va remonter sur la petite maison. Je m'attendais pas à ce qu'on soit allé aussi loin, j'avoue. Je peux pas toquer. Bon, je vais la prendre en photo. Parce que c'est une jolie maison. Je me trompe de bouton. Je suis tombé dans l'eau à force. Bien. Cette maison a une personnalité tellement palpable. Est-ce que je peux retirer quelque chose de ça? Non. Oh, là par contre... oh ouais. Bonjour. Ah mais il y a personne.
Ça m'est égal d'aller à deux endroits différents pour trouver de la nourriture et des cristaux. La saison dorée était plutôt étrange. Ouais. Je ne sais pas trop quoi en penser. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas trop quoi en penser. Ah ouais, c'est ça ton interaction ? J'ai trouvé un symbole découpé dans le métal au milieu des déchets. Quel pouvoir ces formes maintenant inertes renfermaient-elles ? C'est du matos, mécanique et elle n'arrive pas à savoir ce que c'est. De la pierre et de la terre, de l'eau et du bois, quelques échantillons de l'écosystème de la vallée. Est-ce l'écosystème de la vallée qui provoque tout ce qui arrive ici ? Ah ça, c'est pas bête ce qu'elle dit. J'arrivais pas à savoir comment j'allais faire pour partir. Ce truc a l'air d'être de très mauvaise qualité. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ouais, elle n'arrive pas à savoir ce que c'est. Je suis chaud de le prendre en photo. Le tas de radio là. Chess perform Song of the Primatic Ground. Sold out. Oh ! Cet instrument est abîmé. Je peux le prendre, hein ? Mais conservé dans un si bel étui. Il a probablement joué de grandes chansons. Si je peux le prendre en photo. J'aime bien le bleu. C'est qu'elle allait nous dire quelque chose de plus. Par contre, ça, je vais le prendre en photo, ça. Dommage. C'est complet. Et nous sommes 100 ans trop tard. C'est vrai, ça. Oh, c'est beau ce qu'il a fait ça avec des pièces de voiture. J'espère que ce n'est pas le visage d'un dieu. On dirait qu'il pourrait voler ton repas. Je m'attendais pas forcément à ça. Il pourrait voler ton repas. Est-ce que je peux prendre en photo ça, là, le gigantesque... Je sais pas ce qu'il y a écrit ici, mais... Ouais, je peux le prendre, mais elle a rien à dire. Ok. C'est des garagistes. Ah oui, les chutes sont là. C'est beau comme fenêtre, ça. Je vais prendre tout, essayer de tout prendre en photo. Et de d'un coup. Ça va être compliqué. Je vais faire l'un après l'autre. Oh, j'aime bien. Oh ! Ah, je m'attendais pas du tout à ce que ça déclenche quelque chose. Ouais. Ce son envahissait la vallée, on ne s'entendait pas penser. Maintenant, d'entendre à nouveau cet horrible clic. Oh, mais c'est oui, l'autre dame. Le travail de l'artiste solitaire. Viens ici. Ah, c'est elle qui faisait ça. J'avais pas capté que oui, c'était sa maison. Approche-la. Il nous l'a dit la dernière fois. Mes yeux. Je ne peux voir qu'ici. Ouais. J'ai pris en photo ça, mais j'aimerais. On va prendre 2-3 petits trucs en photo d'abord. Ah non, c'est pas les mêmes. Ouais, c'est pas du tout les mêmes. Ok. Attends, on va aller la voir. On prendra les photos après. C'est horrible! La forme, la couleur, le sujet, tout cela est tout simplement horrible. Mais c'est toi qui l'as fait. Je tentais de me produire devant la foule
d'être charmante. Une femme, ouais. Une artiste, a créé cet objet sans intérêt. Je l'ai enterré il y a bien longtemps. J'en suis encerclé. Enterré quoi ? J'ai passé ma vie à tenter de créer quelque chose de beau et de vrai. J'ai échoué. Peux-tu m'apporter des photos de mes œuvres ? Souci. J'aimerais revoir le fruit de mon travail une dernière fois. Je veux voir à quel point j'ai gâché ma vie. J'aurais pas dit gâcher, parce que c'est plutôt joli. Que penses-tu de celle-là ? Ça me plaît. En vrai, j'aime bien cette photo. C'est faux. Bah, ta gueule. D'où tu te permets de dire que mes choix sont faux ? Regarde ce visage. Des yeux brisés. Rien de gracieux là-dedans. J'aurais dû faire pousser du lierre par-dessus. Au moins, l'inondation emportera tout sur son passage. N'ai-je jamais connu la vraie inspiration ? Ai-je échoué à ce point ? Regardons-en une autre. Attends, je vais en prendre d'autres du coup. Je reviens. Celle-ci du coup. Bah attends. Ok, d'accord. Je vais dire ça. Parce que c'est... j'ai envie de dire un truc un peu négatif parce qu'elle a l'air d'être tout le temps très négative. Mais j'ai pas envie d'être trop méchant et ça a l'air d'être un peu middle, c'est cool. Complètement inusité. J'ai cru que si je restais assez longtemps devant sa porte, sous la pluie, Dieu me laisserait entrer. Je n'ai réussi qu'à user mes doigts au travail. Je voulais saisir l'essence de cette vallée dans une œuvre d'art. C'est tout. Je veux saisir l'essence de cet endroit aussi. Cet endroit est un moment précis. Cet endroit est un moment précis dans le temps. J'aimerais t'aider. Oh, ces choses n'ont aucun intérêt. Non, c'est bon, tellement pas sympa. Assez parlé de ma... Montre-moi ce que tu as d'autre dans ce journal. Les choses sans importance que j'ai créées, toutes réunies sur une page, comme une véritable exposition. Un de ces jours, tu pourrais y ajouter mon nom, Matiora. Ouais, voilà. Matiora. Il vaudrait mieux qu'il sache qui blâmer. Le musée des mémoires. Tous les artistes rêvent d'y voir leurs œuvres exposées. Oh, oh mon Dieu. Tu vas essayer d'y aller ? Of course. C'est si loin. Si tu essaies de l'atteindre, tu perdras de ton énergie vitale. Peu importe ce que je ferai, la vie finira par me quitter. Waouh ! Il est bon d'avoir un objectif à long terme. Les deux sont très vrais, mais l'un est trop terre à terre. Et l'autre est peut-être un peu trop. Et pas trop pas terre à terre. Vas-y, fais que tu dis ça. C'est inévitable. Exact. Ton journal pourrait finir dans le coffre du musée, donc mes œuvres également. Ça compenserait tout. Chaque heure perdue. Lorsqu'un rêve sort de ta gorge, c'est douloureux. Mais je peux faire mieux que ces petites statues. Oui, je le peux. Si tu m'aides. Cette œuvre d'art commémorera la vallée de Tien, et nous la finirons ensemble. La vallée de Tien a plusieurs visages, d'innombrables thèmes, personnages, époques et étapes de sa vie. Cherche dans ces choses, nous choisirons l'un de ces visages. Le visage de la vallée de Tien pour les enfants de la prochaine saison.
Occupe-toi de ça pendant que je prépare le thé. Faisons ça. Allez, alors. Ah, d'où ça, d'accord. Alors attends, ça j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé un symbole découpé dans le métal au milieu des déchets. Mm-hmm. Quel pouvoir ces formes maintenant inertes renfermaient-elles? C'est de Amatura, ça je trouve ça joli. Le symbole du sommeil. C'est le motif, la vibration que la prière crée. Lorsque la prière est récitée, tu peux le sentir dans l'air. Mais tu peux le voir dans l'eau. Si un jour tu vois ce motif bouger, prépare-toi à dormir. La chance. Je l'ai pas vu. Il y en a deux autres. La prière du souvenir et la prière de l'oubli. Prière de l'oubli, je crois que c'est un rapport avec l'une des pages dans mon livre, le truc que j'arrive pas à trouver. Mais c'est celle-ci que je préfère. C'est le motif qui a mis fin à la guerre. Sonia la moine s'est servie de cette prière pour mettre fin à la guerre. Une prière qui met fin à une saison. Le dieu du sommeil l'a écoutée. Le pouvoir était plus grand et plus profond qu'on ne le croyait. C'est ainsi qu'a pris fin la saison précédente. Voudrais-tu que ce soit notre thème? Je continue à regarder. Parce que le sommeil et tout ce qu'elle a dit, c'est pas nul, c'est juste que... De la pierre et de la terre, de l'eau et du bois, quelques échantillons de l'écosystème de la vallée. C'est stylé aussi. Est-ce l'écosystème de la vallée qui provoque tout ce qui arrive ici? Vas-y, attends, on va apporter sa Matura, voir ce qu'elle a à nous dire. Tu m'as apporté des pièces de la vallée. Le monde naturel, ce que nous lui avons pris, ce qui nous a été donné. Et si notre destinée ne résidait pas dans nos cœurs, mais dans le sol de la terre, voudrais-tu que ce soit notre thème? Non plus. On va continuer à regarder. La nature, ça, ça a l'air d'être, bah ça là-bas, j'arrive, bah vas-y, mettons-le, parce que ça, elle nous dit littéralement, je ne sais pas quoi en penser, quoi. Donc on peut l'amener, voir ce qu'elle a à nous dire. Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont que des choses sans intérêt. Tu aimerais que notre œuvre s'inspire de ça? Non. Ok, d'accord, donc c'est littéralement un truc qui sert à rien. Là, ça c'est quoi le thème de ça? Ça a l'air d'être de très mauvaise qualité. Mais c'est des radios. Quoi en penser? Peut-être la musique, l'art. Ça peut être sympa. Rebut de fabrication. C'est tout ce que la vallée pouvait se permettre. De toute façon, nous étions craintifs des commodités modernes qui n'étaient fabriquées ni à la main ni par Dieu. Tu nous regardais? Oh, mais bien sûr que oui. Attends, je vois que je peux peut-être passer par là. Oui. Ah, j'avais pas vu. Oh. Bonjour. Un imbus 2000. Ah merde, c'est pour ressortir. Quel con. J'avais pas capté. Est-ce que je peux repasser par là? Ah non, je peux pas. J'avais pas capté que c'était la sortie. Ah. Passage secret. C'est une carabine. Non, c'est ça, hein? C'est une arme à feu. Une arme à feu. Je n'avais jamais vu d'arme avant de descendre dans la vallée. La guerre est-elle responsable de cette angoisse qui me hante? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur ça? Et ça, ils croyaient que c'était une arme. Ça n'en est pas une. Nous étions neutres pendant la guerre. Mais
Les soldats en sont venus à manquer de nourriture, puis se sont tournés vers nous. Peu de balles ont été tirées. C'est la peur qui a fait le gros du travail. Maintenant, les assassins songent certainement à la mort, mais ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Ils vont dormir à tout jamais, jusqu'à l'arrivée des vagues. Voudrais-tu que ce soit notre thème ? Non plus, la guerre, pas envie, je vais continuer à regarder. Le meilleur pour la fin, hein ! Cet instrument est abîmé, mais conservé dans un si bel étui. Clairement, hein. Il a probablement joué de grandes chansons. Bien sûr que ça va être ça. Tu m'as apporté le violon de Manches. C'était un chanteur hors pair. Nous étions si fiers qu'il soit originaire de la vallée de Tieng. Il recueillait des histoires, des jeux et des chansons et les répandait dans le monde entier. Tu me fais penser à lui. Où est-il maintenant ? Il est mort d'une crise cardiaque sur scène, dans un pays étranger. Quel sentiment fort d'avoir pu partager, ne serait-ce que brièvement, l'amour de ce chanteur avec le reste du monde. Sans lui, nous avons moins de points en commun. Même moi, je l'aimais. Nous l'aimions tous. Voudrais-tu que ce soit notre thème ? La culture de masse. C'est bizarrement écrit, culture de masse, mais c'est quoi, c'est culture populaire ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, déjà, est-ce qu'il reste d'autres trucs à... être hors de cette fabrique ? Si c'est ça, ouais. Non, mais non, je pense pas. Je pense que j'ai tout pris. C'est juste qu'il te laisse la possibilité, mais je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre. Que ce soit notre thème. Alors. Oui. Ah, voilà. La religion, la guerre, la culture, la nature. La culture, elle va un peu rassembler tout, parce que dans la culture, il y a des chansons sur la guerre, il y a des chansons sur la religion. Enfin, de ce que j'ai compris, elle est assez... Je pense que dans la culture, ça pourra un peu rassembler tous les autres trucs, parce que j'hésite avec la nature, parce que c'est quand même un endroit très beau et j'aimerais bien que les gens s'en rappellent. Mais de ce qu'elle l'a expliqué au niveau de la nature, c'est plus au niveau de cultiver des choses, à quel point la terre est fertile et tout et tout. Donc je pense que la culture aurait plus de sens. Surtout que c'est, ça a l'air d'être positif. Parce qu'elle nous en a parlé, que tout le monde aimait le chanteur et tout et tout. Et le thé est prêt. Avant, incroyable. J'essayais de tout contrôler. Mon travail n'avait aucune âme. Cette fois-ci, suivons notre intuition. Rassemblons des morceaux et voyons où ça nous mène. Quelle magie se cache dans cette journée qui s'écoulera pour ne plus jamais revenir. Ce thé adoucit la gorge. Ah bon ? Il me donne envie de chanter. Genre, enregistrer sa chanson, je m'en rappelais, je veux l'écouter en l'enregistrant. Chubale ni hu sa nota. Ah, c'est quoi la langue ? Enfin, ah, je m'attendais pas à entendre quelque chose dans une autre langue que l'anglais.
Non, j'ai envie de regarder autour de moi. J'ai envie d'observer pendant que j'écoute. Comment ça? Voilà. C'était la vallée de Tieng. Je croyais pouvoir saisir l'essence de la vallée de Tieng dans une œuvre. Mais nous l'avons plutôt saisie dans un moment. Nul ne pourra jamais exposer un moment dans un musée. Mais toi, tu le porteras toujours en toi. Tu as participé à la création de ce moment. Je ne l'aurais jamais trouvé sans toi. C'était prévu, ça, que ça fasse ça? Vu qu'elle n'en a pas parlé du tout, ça me paraît bizarre. Hein. Mes vieux yeux. Mais tu peux volontiers m'apporter des visions de cette vallée. Tant que tu les approches suffisamment de moi pour que je les voie, je te dirai ce que je sais. La journée tire à sa fin. Puis la ville, l'inondation, les lumières, la prochaine saison. J'ai l'essence de la vallée de Tieng dans un moment. Oh, tu ne me croirais jamais. Ce médaillon m'a été offert par Manche. Oui, le chanteur célèbre. Nous étions tous les deux des artistes. Nous admirions tous les deux le travail de l'autre. Nous nous admirions mutuellement. Sans lui, la saison dorée n'aurait pas été si dorée. Je découvre une histoire d'amour secrète. Oh, j'ai eu un achievement. Est-ce que je peux prendre ton portrait? Bien sûr. D'accord. Sûr que oui. Ah, je peux pas me déplacer. Chaud, ce serait bien. Matsura est une véritable artiste. Tu m'en dire plus sur la vallée. J'aimerais tellement pouvoir te faire visiter. Mais tu pourrais m'apporter la vallée ici. Tu pourrais me montrer les photos que tu as prises. Je fouillerai mon esprit à la recherche de trésors. Je peux lui montrer l'intégralité de mes photos? Incroyable. Alors... Ça. Oh là là, tu lui as parlé? Non, je crois pas. Tu as bien fait d'éviter son regard. J'ai hâte que le néant soit enseveli sous l'eau. Non mais attends, mais je veux lui montrer toutes les photos en fait. Chaque saison, nous creusons ou nous enterrons. Et celle-ci, nous creusons pour enterrer, je crois. Ok. Faut-il le déterrer ou le laisser dans le sol? Dans tous les cas, le harpic se manifestera. Il se fera sentir. Est-ce la source de toutes les bizarreries, de toutes les divagations? De notre religion elle-même? Qui sait? Peut-être finirait-il par se décomposer d'ici un million de saisons. Mais nous n'avons pas tous une telle patience. Certains préféreraient que cette magie disparaisse une bonne fois pour toutes. Qu'elle nous laisse en paix. Ok. Peur et scintillante. Le violet séduisant et nocif de la vallée de Tieng. Une culbute psychique. Pense au passé. Où est-il derrière toi? Au-dessus de toi? Se trouve-t-il sous tes pieds? Je le porte comme un vieux manteau.
Et ouais, non, je vais pas lui montrer toutes les photos, hein. Mais ouais, les trucs autour du... Les photos... Là, par rapport au... Oui, l'eau s'en vient. Le Et barrage, voilà. l'inondation, le barrage. J'en ai assez de tout ça. Qu'est-ce qui est naturel? Qu'est-ce qui vient de l'humain? C'est le barrage qui a créé cette vallée. Évidemment, nous provoquons l'inondation perpétuellement. Nous n'apprenons jamais. Ok, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que je pourrais lui demander? Ça? C'est la dernière œuvre qu'on m'a commandée. Ouais, voilà, c'est Un ça. Ça vient de toi, ça. hippogriffe maladroit. J'ai créé ces chiens de guerre et je les ai installés ici et là dans la vallée, comme les soldats jadis. Mais la guerre ne méritait pas une statue. Nous avons les soldats eux-mêmes, figés dans le temps. Ouais, ça vient d'elle, hein, cette gigantesque... ça. Faut-il le déterrer? Dans tous les cas, le harpic se Bah, c'est manifestera. aussi sur le Sera-t-ce harpic. la source de notre... Qui sait? Ouais. Mais certains préféreraient que cette... qu'elle nous laisse en paix. Ok. C'est la même chose. Après quoi, que parler, tout ça. C'est quoi ces motifs? Mes chers Je l'ai un peu demandé comme un flic. ils Mes sont chers voisins, ils sont partis partis sans un sans un mot. mot à personne. Sont-ils allés chercher une roche où s'asseoir dans la cité rayonnante? Se Bien, allez la laissant-ils voir, hein. dépérir dans le vide du paradis? Des vaches pauvres, des vaches riches. De nos jours, les plaisirs de la saison dorée, comme la glace de cette ferme, me font me sentir vide. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi? Memory Flower, ah ouais, elle peut m'en parler de Ce ça? violet séduisant et nocif, de la Ah, c'est tout? vengeance au passé, est-il derrière? Se trouve-t-il? Je le porte comme un vieux manteau. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ça? Je sens la chaleur qui émane de cette photo. Cet endroit pourrait très bien se trouver sur une autre planète. C'est chez toi. Quelle chance. Attends que j'aie mes propres roues, ma propre armée, mes jambes électriques. J'irai prendre le thé. Je rencontrerai ta chère mère. Tu n'arriveras plus à te débarrasser de moi. Ah bah ouais, viens, carrément. Ouais, t'es. Où partiront les oiseaux? Petite bête de la vallée. Ne t'en fais pas pour les animaux. Ils partiront avant l'inondation. N'est-ce pas? Oui. espère. Ça. Oh, les Ouais, les mains mains grises. Qu'est-ce qu'elle a grises. à dire sur les mains grises? Ça m'intéresse. Pardon. Dès que j'ai vu quelqu'un en uniforme, je savais que cette saison prenait fin. Les uniformes, les groupes, les drapeaux, en fait, toute forme d'organisation sociale, c'est ce qui nous manquait. Tout le monde est seul avec sa petite vie, son petit chagrin, sa propre tragédie. Je t'ai épargné les détails de la mienne. Je vais encourager les mains grises. Pourquoi pas? Ils ont offert de réparer mes dents. J'ai refusé. Je suis trop vieille pour avoir des dents parfaites. Je ferai peur aux enfants et aux petits animaux. C'est rigolo comme manière de voir les choses. Sur la guerre, peut-être? Pendant la saison dorée, le monde était comme une tasse qui se remplit de boissons merveilleuses. Oui, je vais en reprendre plus encore. Mais un jour, la tasse a débordé. Puis, la guerre a éclaté. Ok.
C'est quoi les anciens visiteurs ? Les touristes achetaient mes œuvres d'art. Ouais. C'était une erreur de penser à eux pendant la création. Ils étaient agaçants. Mais leur absence totale n'était pas mieux. Je préfère qu'ils ne nous envahissent pas. Sans non plus être totalement coupé du visiteur occasionnel. Tu es le juste milieu. Ok. Bon. D'accord, hein. Disons ça. J'ai juste envie ensuite de lui montrer ça. Je sens la chaleur. Ah, c'est la même chose. Alors, si c'est la même chose, je vais lui montrer une dernière photo. À savoir celle-là. Les petites bêtes de... Ah oui. Bon, c'est aussi autour des bêtes. Ok, bon. On a plus ou moins fait le tour, je pense. Qu'est-ce que je sais ? Et que c'est cet arbre ? Je sais que cet homme, Yuri, l'a sauvé d'une vilaine infection. Ouais. Je sais que le garçon joue dans ce coin. Un peu d'humilité, veux-tu ? Je ne sais rien. Je pense que j'ai plutôt fait le tour. Le texte est à peine lisible. Trois aphorismes du jeune. 3. Personne ne devrait voir le visage de l'amour et vivre. On dirait une partie d'un ensemble d'aphorismes. Qu'est-ce que c'est que l'aphorisme ? Trois aphorismes du jeune. 3. Personne ne devrait voir le visage de l'amour et vivre. Ok ? Je prendrais bien ça en photo. Ça, je l'ai vu en arrivant. On dirait qu'ils sont inconscients. Qu'ils dorment, quoi. Ni plus ni moins. Est-ce que t'as quelque chose à dire aussi là-dessus ? Non. Okay. Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour de chez elle. On peut faire sa petite... Voilà. Sa petite... bien évidemment, hein. Bien évidemment, hein. Avec la conclusion, d'ailleurs. Oh ! Il y a sa signature ! Trop stylé ! Mais je n'ai pas encore la conclusion, je suis con. Qu'est-ce que je peux mettre à droite ? Le violoniste, of course. J'ai envie de le mettre là, ça. C'est très lié à elle, tout ça. Sa maison. Sa maison. Et en dessous, j'ai envie de mettre ça. Que c'est son chez-elle, en soi. Un visage usé par la souffrance de la création. Elle est poussée à crier, de la même façon que je me sens poussée à documenter cette saison. Qu'est-ce qu'on a comme tampon ? Oh ! Pourquoi j'ai envie de mettre ça ? Je sais pas pourquoi. Il manque. En fait, il y a plein de trucs que je veux foutre. Ce violon, of course. Voilà. Il y a 1000 choses que je voudrais prendre. Ça. C'est sympa déjà, voilà. Hop, c'est ça.
Ça se voit peut-être un peu mieux parce que ça, j'ai vraiment envie de le mettre là. Voilà. Ouais. Ouais. Là, ça cache carrément, ouais. Pas envie de mettre ça, en fait. Envie de mettre ça. Non. Envie de mettre. Qu'est-ce qui est important pour elle? Toutes ses œuvres, en fait. J'ai envie de mettre toutes ses œuvres en tout petit à côté d'elle. Envie de faire ça, ouais. Ah mais c'est la même en fait, je l'ai prise deux fois en photo, je suis trop con. Ouais, c'est sympa ça. Ça ici, il met sa signature ici. Pas aussi haut parce que je veux qu'on la voit. Voilà. Voilà. J'aime cette page. Je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce qui me manque que j'ai pas mis? Mis métallique. Artiste de la vallée de Tiens. Je peux le mettre en une seule phrase ici. Là. Ouais, ici c'est bien. Voilà. Ok. Eh ben nickel, on a terminé ici. C'est super. La nuit est tombée. Les portes du sanctuaire doivent être ouvertes. Alors, peut-être, mais j'ai 1000 trucs à voir encore, donc ça va hautement patienter, moi je te le dis. Hein. Par contre, il faut que je rejoigne... Oh! Artist Workshop. Oh, c'est beau. Attendez, est-ce que... C'est intéressant de le prendre en photo? Est-ce une sculpture ou des matériaux bruts? C'est un peu bâtard de dire ça. C'est... T'as essayé de travailler ça ou c'est juste de la merde que t'as empilé? Par là. Ok, si c'est bon, je sais où je suis. C'est bon. Accélère, s'il te plaît. Voilà. Tu peux accélérer, s'il te plaît? Ah oui, parce qu'il faut que je fasse comme ça. D'accord. Koshi, on continue. Attends, je vais quand même aller checker. J'ai bien tout rempli. Pas du tout. Ah, ça, c'est le sentier de la forêt est. Oh, ben je crois que j'ai à peu près tout vu. Je crois. Attends, je vais checker. Ah merde, je vais checker sur la map, elle est là. Est-ce que j'ai tout vu? Ah, j'ai pas du tout vu où je suis. J'essaie de voir où je suis. Où est la maison? Ah si, je suis tout à droite.
J'essaie de me... De m'orienter. Je crois que je suis... 2 minutes, Koshi. Est-ce que j'ai bien tout vu? Est-ce que là, il y a la grande porte... Ah non. Ah, ici, c'est ça. D'accord. Alors, attends. Là, à partir de là, je peux un peu plus m'orienter. Donc là, si je suis la route vers le sud, le problème, c'est que je ne saurais pas quelle est la route vers le sud. J'ai envie d'aller voir un truc que je suis pas sûre d'avoir vu sur la carte. Continuer. C'est par là. Ici. Là, je monte. Voilà, ça, je l'avais pas vu, ça, si. Non, je crois pas, hein. Je l'avais vu. D'accord. J'étais pas sûre. Tac. Donc ça c'est vu. Ça c'est vu. Oh, j'ai tout vu. J'ai tout vu dans cette partie-là du moins. Ah ben bah, je suis content. On a clear cette zone. C'est déjà une heure qu'on est là. Putain, j'avais pas capté. Ah oui, il faut que je fasse ça, oui. Oh bon, mais je l'ai déjà appris, j'ai déjà été sur ce banc. Voilà, si je dis pas de bêtises. Alors bah, du coup je disais des bêtises parce que c'est pas du tout là que je pensais arriver. Mais on s'en sort. Ah pas du tout. Ok. On est reparti. Depuis toi, comment j'arrive chez Koshi? Pour moi, c'est par là qu'il est, Koshi. Koshi? C'est le tout premier truc que j'ai vu avec Koshi. Est-ce que si je continue, que je passe par là normalement, j'arrive où si je passe par là? Ah ouais, j'arrive là. Ok. Ah putain. Ok. Bah alors, où est Koshi? Sûrement là du coup. Peut-être pas le même, hein. Il y en a peut-être deux, des trucs comme ça. J'ai perdu complètement Koshi là, je sais même plus... Et où? Mais là c'est par où j'arrive. Et du coup quand je suis arrivé... Oh là là! Là je suis arrivé, je suis passé par là, j'ai vu ça, je fais... Oh c'est trop cool! Du coup... Il est là-bas. Je pensais qu'il y avait. Et Koshi? Il est là, Koshi? Non? C'est possible qu'il se soit barré? Non, mais c'est pas possible, c'est moi qui fais de la merde. Parce que chaque fois, j'arrive pas du tout du bon côté. Là, je suis passé 1000 fois. Peut-être si je continue. Koshi. Oh le môme. T'es où là? Putain, mais c'est un truc de fou. Oh. Il est où le minot? J'ai perdu le minot. Merde. Merde.
On va faire. Ushi. Là, mais on est revenu au point de départ. Là, il est pas à gauche, c'est sûr, parce que ouais, à gauche, il y a ça là-bas. Et moi, dans ma tête, il était par là. Mais du coup, il est pas par là. Bon, bah là, du coup, on revient encore éternellement au début. Koshi ? Attends, est-ce que depuis tout à l'heure, je... Est-ce que depuis tout à l'heure, je lui passe à côté ? Est-ce que depuis tout à l'heure... Attends, là-bas, on est d'accord que du coup, là-bas, il y a ça, oui ? Est-ce que depuis tout à l'heure, je lui passe à côté sans le voir ? Oh, c'est une dinguerie. Si c'est le cas, c'est une dinguerie. Attends. Ushi ? Ah bah non, c'est pas moi là du coup. Ushi, il disparaît. Ushi ? Je piche pas. Je comprends pas ce qui se passe. Il est quantique, Koshi ? Il est là, mais il est pas là, c'est ça ? Si je reviens comme ça ? Parce que du coup... Ushi ? Merde ! Faudra prévenir la mère, hein. Vous ferez attention, vous avez un fils quantique. Alors rien de grave, hein. Mais vous allez le perdre. Oui. Ushi ? Faut que tu réapparaisses, buddy. Faut que tu réapparaisses. Attends, est-ce que... Ushi ? Je sais ce que je vais faire. Je vais revenir depuis... Je vais aller voir Mathura. Et depuis Mathura, je vais revenir ici. En espérant que ça suffise. Je sais plus si c'était par ici, Mathura, j'avoue. Oui, ça devait être par là, je crois. J'ai pas pu d'ailleurs lui demander qu'est-ce qu'elle pensait du garçon. Petit garçon, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? On est pas du tout chez Mathura. Où je suis ? Koshi ? Qu'est-ce que tu fais ? Koshi, reviens ! Koshi ! Mais qu'est-ce qu'il fait ce... Qu'est-ce qu'il branle ? Oh ! Mino ! Attends, il y a un trou là dans le... Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il fait ? Koshi, reviens ! Où je vais là ? Oh là 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 ! Oh ! On va se garer. Je me suis mal garé. Please, dites-moi qu'ils sont vivants. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des gens au sol là? Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi tu pars en courant comme ça, Koshi? Il s'appelle Frenet. Je lui ai demandé comment il s'était endormi ici.
Frenet ouais. a répondu qu'ils étaient dans la vallée parce qu'ils étaient affamés. Et puis, il y a eu de la lumière partout. Et ils sont tombés endormis pour toujours. Ils devraient être vieux maintenant. Mais ils ne pourraient pas l'être plus s'ils essayaient. J'ai vu une fois le moine sortir pour les nettoyer. C'était vraiment drôle. Il n'avait vraiment pas l'air d'aimer. Je ne dois pas toucher aux soldats. Mais je laisse Frenet emprunter mon cochon. Je dois le récupérer maintenant. Allons-y. Ce sont des cadavres ? Alors, je les prendrai bien en photo, mais... J'ai le droit ? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ce doit être un dessin de Cauchy. Qu'est-ce qui se passe ? L'ancienne m'a montré ce symbole. Les soldats viennent des terres prismatiques. Ça fait des mois que nous battons en retraite. Maintenant, nous voulons de la nourriture à ces pauvres gens. Je ne peux pas croire que tout ça va se poursuivre. Mais je n'en vois pas la fin non plus. Je n'ai jamais ressenti une telle faim. Tu fais ce putain de bruit. C'est toi. La musique jouée par un trio de musiciens, le métal, la prise et mon esprit. Oh, il y a un nombre de trucs ici, putain, alors la vache. Alors attends. Les troupes prismatiques à Tentiang, les friches lointaines ont refusé de se rallier au système prismatique. Nul n'imaginait alors l'ampleur du conflit qui s'en suivrait. Le long repli des prismatiques a même atteint la vallée de Tiang, une zone neutre. La guerre se poursuivra jusqu'à ce que... Je prends... Les gens ici n'étaient pas prêts à la guerre. Ce qui s'est passé durant la guerre. Toute ma vie, on a mentionné la guerre façon très solennelle. Elle n'a jamais atteint notre village. Mais nos grands-parents ont été affectés. Que s'est-il passé ici dans la vallée? Et comment est-ce que ça s'est terminé? Alors, les perdus. Nous prions pour tous ceux qui sont perdus au milieu des tourments, de la guerre, tous ceux qui ne sont jamais rentrés à la maison, qu'ils soient vivants ou morts ou piégés entre ces deux états. Les morts, nous prions pour les morts, pour tous ceux qui sont tombés par les mains des hommes. Les mutilés, nous prions pour les mutilés, pour que se taise enfin le long écho de la douleur. Ok. Je regarde un monument à la mémoire des perdus, des morts et des mutilés. Nous avons beaucoup de chance que la guerre n'ait jamais atteint le village de Caro. C'est bien parce que ça, on y voit bien avec le pastel. On y voit trop bien avec le pastel, en fait. Je pensais qu'elle me dirait quelque chose, mais non. Un avis d'évacuation a été émis pour cette région. Tous les résidents de la zone inondable doivent évacuer. L'inscription pour l'évacuation se fait auprès d'un agent des mains grises au point de rassemblement désigné. Tout ceci sera emporté par l'eau. Oui, ça on avait. Jusque-là, ça on avait. Wait, oh con. J'ai mis ce clic, mais... Tout le monde est ici. Elle va vraiment le faire. Comment peut-elle en être sûre? Le sanctuaire est protégé. Comment le sait-elle? Sonia sait. Comment peut-elle en être sûre? Elle ne peut pas en être sûre, car ce n'est jamais arrivé avant. N'est-ce pas? Je ne veux pas de ça. Nous devons partir. Courons. Attends, entends-tu ça?
Oh mon Dieu. Nous serons en sécurité. On va s'en sortir. Ce sera bientôt terminé. Qui est Sonia? Qu'a-t-elle fait pour protéger les gens de la vallée? Oh! Putain, le nombre de mystères qu'on... Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas déclenché cette guerre, nous n'avons pas perché... Nous n'avons pas cherché à en tirer profit, mais nous y avons mis fin. En récitant une prière pour demander le silence qu'apporte la paix pour le sommeil. Il croit qu'une prière a endormi les soldats. Est-ce possible? Elle me dirait quelque chose, mais c'est ça à la base que je voulais. L'artiste a des pas les mains grises comme des enfants. L'artiste ne croit pas en leur capacité, mais les voit comme innocents. On est où là? Sur la map. Ok, on est passé de l'autre côté. Merde. Merde. Des choses à voir encore. Je vais en prendre en photo du coup parce que... Merde. Avec le gamin, ça peut être intéressant. Je me demande de quoi sont faits leurs rêves. Ah non, ils dorment. C'est ça dont ils parlaient, le sommeil. Les soldats sont dans un état de sommeil éternel. Ah, littéralement de soleil éternel. Ok. Cette guerre était sa propre saison. Mais la souffrance qu'elle a causée a fait des vagues jusque dans cette saison-ci. Et la hante. La guerre a pris fin quand les soldats ont été endormis pour toujours. La prière de Sonia a protégé les gens de la vallée. Alors attends, qu'est-ce qui est arrivé durant la guerre? La guerre a atteint... Merde, je vais m'être trompée. La guerre a atteint dans la vallée de Tiang. Sonia, la moine, a protégé la vallée contre des soldats. Les soldats ont été endormis pour toujours. Ils croient qu'une prière a mis fin à la guerre. Est-ce possible? Mon vélo, il est là. Je vais aller voir maintenant ça là-bas. Pardon. Pris en photo ça, je peux le prendre. C'est une vraie voiture. Il y a longtemps, on en voyait partout. Oh, là aussi, il y a quelque chose. Alors, officiellement complété, officiellement à court, ah non oui, officiellement à court de carburant pour toujours, l'an 772. On est en quelle année? Cette machine a permis à tout un lot de touristes de se promener dans la vallée. C'est vrai? La chaîne d'approvisionnement a dû être coupée au début de la guerre. Ah, et là ils dorment donc. Ok, donc alors... Bah on peut continuer en vrai. Pardon! Mais c'est que ça tournait pas comme je voulais. On continue, Koshi? On continue, j'ai fait le tour ici. Je crois. Ah non, j'aurais pu. Putain, je suis trop bête. J'ai pas fait la. Il est parti où ce con? Il est là. Ah! Koshi! Koshi, reviens, je me suis trompé, Koshi. Koshi, j'ai pas pris le bon côté. Y'a quoi là? De l'autre côté, parce que je l'ai vu un peu mais pas trop. Par exemple ça, vous voyez, ça je l'avais pas vu. Je reviens, Koshi, 2 minutes. J'ai déjà vu des photos de voitures. Elles étaient courantes durant la saison dorée. Cette voiture s'appelle Klaxon.
Donne un petit nom à sa voiture, complètement taré le bug. 2 minutes. Parking visiteur, plus d'espace, près de la rivière, complet. J'essaie d'imaginer cet endroit rempli de touristes. Les émanations dans l'air, les voitures grondant dans la rue. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ok. 2 minutes, Koshi. Je veux bien entendre. J'ai toujours crié quand j'avais besoin de quelque chose. Mais maintenant, je veux seulement te remercier. Le calme que tu as offert au monde. Il y a les Daft Punk qui parlent en fond. Je chéris ce silence. Ce moment. Nous allons vivre. Et nous allons nous souvenir. Hein? J'entends le soulagement dans sa voix. C'est sûrement après la fin de la saison de la guerre. Ça là-bas, on a vu. Ah, et ça là-bas, c'est l'un des trucs que j'ai vu au début. Autant ouais, aller voir ça. Oh, quand? Oh, dites-moi. Ah non, pas du tout. Ah si, peut-être? Bout de papier. Je savais autrefois que les paroles... Je savais autrefois toutes les paroles des chansons de Manchez, mais elles m'échappent maintenant. Ma voix est silencieuse alors que tout le monde chante de bon cœur. Je t'en prie, je veux que ces paroles me reviennent. Je souhaite me souvenir de tout. Je veux me souvenir de toute ma vie avant qu'il ne soit trop tard. Je veux l'écrire, je t'en prie, cher Dieu. J'aimerais beaucoup. Aussi, tout pareil, me souvenir de plus de choses. J'ai oublié le nom de l'ami d'enfance qui m'a appris à attacher mes lacets. Ces noms qu'on apprend jeunes sont comme des sorts. J'aimerais tant pouvoir le dire tout haut encore une fois si seulement je pouvais m'en souvenir. Me souvenir de toute ma vie. Ces billets sont des prières aux dieux pour... Du souvenir. Des souvenirs. Oh, c'est le dieu du souvenir, ça. Ah merde, c'est pas le même dieu que tout à l'heure. Ça, je peux le prendre en photo. Oh, il y a un truc. Ah oh, mais... Pas trop vite, Koshi. Tu vois pas qu'on vient de passer par un truc de fou, là? Non. Les gens priaient ici. Qui priait-il? Oui. Koshi se barre comme ça. Faisons un peu... Ah non, c'est pas ça que je veux. Ah si, c'est ça que je veux. Je pensais qu'on pourrait enregistrer quelque chose, mais apparemment non. Les cristaux violets sont aussi incrustés dans cette statue. Attends, sentier du sanctuaire. Ok. On est revenu au sentier du sanctuaire. Ok, pour l'instant c'est tout ce qu'on a. Je crois qu'on a tout. Koshi, j'arrive. C'est beau, c'est terrifiant. Ah, monter des escaliers.
À vélo, c'est quand même un truc de fou. Ah, il est là-bas. Je sais pas ce que c'est, ça. Je me demande si le visage de ce dieu est censé être incomplet. Est-ce que tu me permets de monter, Koshi, ou... Non, tu ne me permets pas. Mais je vais le faire. What? Où? Ah, là. La musique jouée par un trio de musiciens. Le métal, la brise et mon esprit. Ton esprit? Oh, je prends carrément un encens. Le foin, la rouille et une vieille chaleur. J'aime le noir et blanc. Le sépia, je l'aime bien. Pas trop ce que c'est censé être. Vold. C'est quoi Vold? Néant. On va le prendre en photo. Un symbole et un nom. Le néant. Ah. Ces pierres doivent représenter les trois dieux de la vallée. Où ah oui, là. Très important. Le néant, ça sonne inquiétant. Le dieu dans le champ de fleurs, le néant, vacarme. Le symbole. Mais dans quelle langue? Parce que Jean. Le vacarme, 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 vacarme. Comme un écho du passé. Ça me fait penser à Ordine dans Zelda. Tilde, tilde, marée. Cette pierre sert à vénérer la marée. Il faut que je prenne une photo. La marée, une chose calme, mais qui va et qui vient. Le nombre de trucs. Alors attendez, déjà, moi je pense, j'étais pas sûr qu'il fallait prendre une photo, mais en fait il faut absolument. Voilà, et de 1. Je suppose que ça a un lien, ce langage où, dans lequel Jean veut dire vacarme avec Zelda. Parce que Ordine, c'est vraiment l'endroit où c'est pas mal... J'ai du chant de fleurs. Putain, il me manque encore ça, quoi. Bol cérémonial où les gens se rendaient pour prier. Je trouve pas le reste. Idée de cochon, voilà. C'est quand même très important. Rêve de pâté. Ah oui, pâté, c'est vrai que c'est ça son nom. Sentier de la forêt. Oui, on a tout fait au sentier de la forêt. Ça, c'est sympa, ça. Je trouve que c'est très représentatif de ce sentier. C'était très joli. Oh, ça, c'est très représentatif. Dans l'angle. Merde. Je veux inverser. Je m'accroche au sentiment d'être presque perdu, à peine perdu, errant avec conviction. Je pourrais dire à papa que j'ai quitté la maison. Je lui décrirais ce sentiment dans les moindres détails. Ok. Voilà. Et les animaux. Je trouve qu'ils sont... Ah ! Pas mal importants aussi. Voilà.
Bon bah là, je vais mettre la conclusion. Ouais, avec ça, j'ai pas trop envie de mettre quoi que ce soit. Ouais, ça me va. Ça me va de fou. Tiens, et ça, ça fait longtemps qu'on l'a pas mis, ça. C'est nul, ça, non? C'est nul, c'est de fou, ça, je crois. J'ai pas terminé, du coup, ce que je voulais, parce qu'à la base, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Oh, stationnement, oui, c'est ça que je voulais faire. C'est ça, putain. C'est quoi, ça? Non. Le plus important, je pense que c'est carrément... Où est la photo? Pas la photo de ce que j'ai pris avec... voiture en disparu. Tac, ça, je pense que ça, c'est un peu important aussi. J'aime pas, c'est vrai qu'à chaque fois je les tourne un peu les choses, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à... Voilà. Je continue un peu parce que... Les mondes ont dépassé l'échelle humaine, peut-être même les émotions humaines. Ce stationnement ne mourra jamais. On avance un petit peu lentement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a d'autre, tiens? Ça. C'est beau, putain, c'est beau. Flèche. La foutre ici et ça par-dessus. J'ai envie de faire ça. Ouais, la petite voiture, tiens. Ouais. Voilà. Mais oui, en effet, c'est bizarre. Il n'y a pas la photo de Koshi et de la personne qui dormait, du coup. Ah mais oui, mais parce que c'était pour autre chose, je crois. Ça, c'est très important, je trouve. Ça aussi, quand même. Calmons-nous. Un dessin de voiture. Non, pas de dessin de voiture. Nickel. On continue. Ça, c'est fait. J'ai souvenir. Ouais, c'est ça que je voulais continuer. J'ai de la marée. Boum. Boum. Vraiment que j'aille revérifier hein, les... Là, il y a... Du coup, il y a les trois que j'ai pu prendre en photo. Là où on a quoi? On a quoi? Ouais, je continue parce que j'ai pas l'impression qu'on avance vite. Je savais que dès mon entrée dans le sanctuaire, mon temps passé dans la vallée tirait à sa fin. Ah non, c'est un peu plus longtemps dans la vallée. Ah non, il nous reste plein de trucs à faire. Plein de choses. Plein de choses à faire. Ouais, c'est... Ah oui, 0024, peut-être qu'on va pas tarder à le terminer. 0026, c'est quoi? Ah, c'est Isel. Je...
Où on est là? Ah oui, on est passé. Ok, si je vois où on est. Ok, on est descendu et là on est... Ok, je vois où on est. On est... Elle s'ouvrira à la nuit venue, on est là. Donc là, je vais continuer à suivre Koshi. Je pense qu'il va me faire passer par l'entrée de la vallée. Et tous... Ouais, je pense qu'on va finir le trajet avec Koshi parce que je pense qu'on va continuer vers la gauche et ensuite voir un peu tout ce qu'on a déjà vu. Et ensuite revenir du coup à sa maison. Et on s'arrêtera là. Et la prochaine fois, on checkera un peu... on reviendra sur le site des fouilles. Enfin, non, pas au site des fouilles, au champ des fleurs violettes, là. On fera un peu les 2-3 trucs que j'ai envie de checker maintenant. Voilà, donc là, on est là. Oh, ok. J'avais pas forcément capté que c'était directement ça. Attendez, déjà, il y a ça aussi que je peux prendre en photo. Tous les symboles en un seul endroit, devant le sanctuaire. Être intéressant ça. Si je fais ça là, sentier du sanctuaire. Ah oui, c'est vrai que c'est la dernière étape techniquement. Non. Ça. Ah, je pensais que. Ce serait potentiellement des choses... Merde. Nous avons les remèdes du docteur Fumio pour Marco au final. D'une vie d'être conscient. Ici, ils ont une religion. Ouais. La forme change, mais nos besoins restent les mêmes. En vrai, ouais, les trois sont là. Je sais pas trop ce que c'est. En soi, en vrai, en termes de photos, on est pas mal. J'allais dire, c'est con, il y a d'autres photos que j'aurais aimé prendre. En vrai, ça, c'est pas mal. Ça aussi, j'aime bien. Ce petit... La forme change, mais nos besoins restent les mêmes. Elle est bien, cette phrase. Parce qu'elle est très vraie. Hop. Déjà, tu vas carrément aller ici. Peut-être plutôt là, non? Ouais, non, on verra rien. Ouais. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Ça, je sais pas trop sur quoi le foutre. Une photo, tiens. Ce sera le toit de cette photo. Voilà. Elle est jolie, cette image, au final. Cette page, pardon. J'ai des nouvelles choses. Ouais, carrément, ça. Pourquoi je l'ai pas mise? C'est bizarre de pas l'avoir mis. C'est plutôt... Ouais, il y a pas mal... Ah oui, c'est parce que je pense que la dernière fois, je m'étais dit, ouais, je m'en occuperai plus tard. Et ben, ce plus tard, ce sera maintenant. Ok. Bien cette punch. Voilà.
Ah oui, c'est vrai. Bon, j'avais quand même pas mal fait, hein. Ah, ça a dû de l'oubli, hein, pas le cérémonial, les gens. J'ai eu beau faire tout, ça n'a pas voulu. Le rêve de pâté. Ils sont belles mes pages, je les aime bien. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le vacarme. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aille... Ça j'ai eu... Ouais, je suis passée au sanctuaire de Dean, le vacarme. Faudra que je m'occupe de ça, ouais. Allez, on va continuer à suivre. Quelle heure il est? Oui, on va continuer à suivre. On aura une VOD un peu plus longue, mais comme ça on aura pas mal avancé. Je sais plus où est mon vélo, donc ce qu'on fait quand on sait pas où est mon vélo. Non, paramètres. J'ai trouvé un bouton pour ramener le vélo. Bon bah il est là. Je crois que j'avais trouvé ça. Alors je suis où? Ouais, je suis là. Et il est où ce con? Les petits plus là, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Il est parti où ce mioche? Koshi! Il est monté par là. Oh, je continue peut-être à descendre. Ah, il est là! On continue, Koshi! Je dis au revoir à tout et tu dis bonjour. Exactement. Maman dit que la vallée va s'endormir. C'est le cas. Elle m'a demandé ce que je voulais faire avant de partir. J'ai répondu que je voulais toucher au bleu de l'eau. Et ouais. Elle a ri. Elle a ri parce que j'ai tellement d'idées. Et j'ai besoin qu'elle me dise de quoi je dois me souvenir demain. On continue. Allez hop. Ouais. Là par tous les endroits où on va passer. C'est des endroits que j'ai déjà vus. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais voir l'eau monter d'ici, pour voir tout ça se briser. En croquis. Je pensais que l'inondation allait tout nettoyer. Mais maman dit que une inondation fait du désordre. C'est plutôt le cas, ça ouais. Ça n'a aucun sens. J'ai demandé si on pouvait rester pour regarder, mais maman dit que quelqu'un doit nous amener en ville. C'est notre maison! Ça ira! Je... La caméra. Visite guidée de Koshi. Pardon, je me trompe de bouton. J'aimerais prendre... Enfin déjà. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ces ruines atmosphériques ont été désignées comme symbole de l'insondable nature du passé. Qu'est-ce que c'est un pont? Un genre d'aqueduc? Qui l'a construit? Pourquoi tombe-t-il en ruine? Nous ne le savons pas. Nous habiterons dans cette énorme structure pour le reste de nos jours. Elle date de l'an 100, peut-être même d'avant. Ok. Une structure si énorme. J'aurais bien aimé en savoir plus sur la vieille époque. Oh, c'est joli ça. Très joli ça. Je
le prendrais bien en photo, ce petit panneau. Il est très joli. Or et noir, là. C'est très sympa. Bah, je sais pas pourquoi je l'ai pris en photo, parce qu'en soi, je ne vais pas le mettre sur ma petite feuille. Continuez. On continue, Koshi. Voilà. Ah, on part dans l'autre sens, cette fois. Ah, merde. J'avais pas forcément prévu ça. Pas forcément prévu ça, mais faisons ça parce que je pense que ça me permettra de terminer, d'avoir la petite étoile sur la map à côté du nom de Koshi, parce que je l'ai autour du nom de Matura et de sa mère. Et ah, par contre là il me faut une photo, Koshi. J'ai oublié de la prendre en arrivant. Il me la faut. Alors 2 minutes. 2 minutes, Koshi, j'arrive. Voilà, c'est ça qu'il me faut. On dirait que le visage de cette statue est apparu à quelqu'un en rêve. C'est seulement l'impression que ça me donne. On va le mettre. Voilà. Il ne reste plus qu'un seul truc. Et je ne sais pas comment on fait pour l'activer, j'avoue. On m'avait pas... Putain, pour les autres, on m'a pas proposé de faire ça. Ah! Mais là, je vais prier Vacarme, parce que c'est le truc de Vacarme. C'était la première fois que j'étais dans une voiture qui se faisait nettoyer. Nous avancions dans un tunnel comme si nous étions dans la bouche d'une baleine. Nous avancions dans un tunnel comme si nous étions dans la bouche d'une baleine. Mais tu l'as dit 2 fois, donc on l'a retenu. La prière m'a donné un souvenir qui n'est pas à moi. Mais j'ai l'impression qu'il m'appartient. On dirait qu'il vient de la saison dorée. D'accord. Pardon, c'est pas ça que je veux. D'accord. On m'a donné beaucoup de souvenirs ici. J'espère arriver à leur rendre justice dans ce journal. J'aimerais la conclusion. On m'a donné beaucoup de souvenirs, j'espère arriver à leur rendre justice dans le journal. Il y en a pas mal, là. J'aimerais qu'il prenne pas mal de place, lui. Et lui, un peu moins, parce que lui... Non, lui, j'ai pas envie de le mettre, au final. Ouais, lui, j'ai pas envie de le mettre. J'ai envie que lui prenne plus de place. Je vais mettre là-bas. Même s'il y a un petit écart, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ça, putain, ça c'est stylé, ça. Ici au centre. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ah, si, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que du coup, je peux prier les autres? Ou ça n'a pas de sens, prier? Si par exemple, je prie Marée. Ça ne semble pas avoir... Ouais, voilà, il faut que j'aille sur les bons trucs. Ok, bon, au moins, on sait quoi faire. Encore une fois, on va terminer
notre petite escapade avec Koshi, parce que là je pense qu'il rentre chez lui en fait. Hop là. J'allais dire, il y a un truc à droite, mais je l'ai déjà fait. Ah, oh, ah bon, on va là? Oh putain de merde. Oui, bah en fait, il revient chez lui, mais par là. Ok, d'accord. Truc ici. Donc je passe après. Je vais aller voir maintenant, parce que sinon je vais oublier, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'arrive, Koshi. Je fais vite. Je fais très vite, Koshi. B de Koshi, bien sûr. Voilà. Je l'ai peut-être déjà faite, cette petite blague, mais... Stop! Il y a un animal! Vas-y. Y'a rien. Dans l'arbre. Bon, y'a peut-être rien, écoutez, hein. Je sais pas. Où c'est que ça nous mène ça du coup ici? J'ai pas vu. C'est juste un raccourci, je crois que c'est juste un raccourci. Oui en effet, ok. On est déjà venu ici. Food Farm, Shrine Entrance, Artist Workshop, ok. On est où là sur la map? Attends, j'ai la mienne en fait. Juste pour voir. Non, j'arrive pas à savoir où on est. Ah si, on est là. Ok. C'est ce que je pensais. On a tout vu, hein. Là, on est là. Ouais, il faudra que je revienne un peu autour de la station, tout ça, tout ça. Vers l'autre berge, un peu, qu'on n'a pas vraiment vu. Allez, on revient. Ouais, c'était juste un petit détour où il y a le bruit d'un singe. Bon, pourquoi pas. J'espère qu'il sera pas là-bas et qu'il sera toujours là-bas et qu'il sera pas parti. Koshi, t'es pas parti, hein. Reste par là. Il est là. Les mains grises sont des... Ils ont des camions. Merde. Et d'autres trucs. Je me demande de quoi leur ville a l'air. Ils s'intéressent aux mêmes choses que mon père. Ils reprennent où il s'est arrêté. Mais ils sont rapides. Je crois qu'ils font tout très vite. C'est bien vrai. On est parti. Oh, la vitesse du bug. Oh, il y a un grand poteau là-haut. Tu reviens chez toi, hein, Koshi. On rentre là, hein. Pire, si on rentre pas, c'est pas très grave. Parce que là, attendez, qu'est-ce que c'est que ce petit... Ah oui, je sais ce que c'est, ok. Faudra que j'y aille. Mais plus tard. À gauche. Koshi. Bon, eh ben écoutez. Est-ce qu'on va checker? J'ai pas envie. C'est le dernier truc qui nous manque sur cette rive. C'est le dernier truc qui nous manque. Allez, vas-y, Fuxy, t'en y va. C'est bon. C'est bon, dans tous les cas, on est lancé. On est lancé. Une petite...
petit terrain plat, je me suis dit il y a peut-être quelque chose. Cimetière. Oh, d'accord. Notre bien-aimé, son esprit a abandonné son corps et s'est mêlé à tout le reste. Yuri, pas de nom de famille. Ah, j'ai pas le droit ici. La musique jouée par un trio de musiciens. Encore une fois. La brise et mon esprit. Nous, les gens de la vallée, avons trouvé le corps de cet inconnu parmi nous. Nous avons pratiqué nos rites, puis l'avons enterré. Nous ne connaissons ni son nom, ni son histoire, mais nous lui souhaitons un repos en paix. Non, elle a rien dit, donc je vais le prendre en photo. Attends, je vais mettre en pastel parce que... La tombe est surélevée. Alors peut-être que le corps n'est pas enterré sous la terre. C'est tout à fait probable. Dans une de ces pierres. Le concret, complètement taré celle-ci. Oh, c'est une musique. Cette fleur diffusait de la musique. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu cette façon de garder vivant le souvenir des morts. Ouais. Me too, hein. Un peu me too, hein. Un athlète formidable, une merveilleuse athlète, victime de l'amnésie dissociative, elle a oublié qui elle était. Elle a oublié comment respirer. Ah ouais, c'est, sur son épitaphe, il y a marqué ça, pourquoi elle est morte. Ah, c'est un peu violent, hein. Jacobo qui ne se lavait jamais et qui ne cessait de raconter la même histoire. Putain, c'est d'une violence. Oh, l'épitaphe. Waouh. Ce pouilleux qui se lavait pas, il était dégueulasse. Bah, il s'est noyé, hein, qu'est-ce que je te dise. Hein. Ersan a passé sa jeunesse à dormir. À son réveil, il était un vieil homme. Il a vécu pendant quelques années, puis il est mort. Il n'avait aucun regret. Ersan qui était chiant à crever, bah il est mort, écoutez. Hein. Il a passé sa vie au RSA, et là il est mort. Hein. C'est comme ça. Hein. À la mort de Maïk, notre enfant chéri et de tous les enfants qui ont succombé à la grippe rouge. Oh, shit. Est-ce que t'as quelque chose à dire sur Maïk? Non. Est-ce que t'as quelque chose à dire sur cette tombe-là? Non. Est-ce que t'as quelque chose à dire sur... lui. Ah, c'est Jacobo. Sur Jacobo, t'as quelque chose à dire sur Jacobo? Non. Ok. C'est juste des choses à lire. Ah, c'est un peu compliqué à lire. Notre Francisco est allé rejoindre les dieux pour vivre dans la paresse infinie et devenir un saint anonyme. Putain, alors tout le monde n'a pas le même droit à un épitaphe, au même épitaphe, hein. Oh, là c'est complètement détruit. Ah, rien à dire, ok. Bizarre. Hein. Là-bas, il y a quoi? On peut encore monter. Le texte est à peine lisible. Oh, un autre! Trois aphorismes du jeune. Un. Le temps nous déplace quand nous sommes immobiles. Il n'y a pas de temps. Un dernier pour terminer l'ensemble. Ouais, il m'en manque un. Le temps nous déplace, il n'y a pas de temps. Oh là.
chère jeunesse, t'as tombé la mienne. Ta tombe et la mienne sont chauffées par le même soleil. C'est vrai. Je sais pas quel est le point qui veut être fait, mais c'est tout à fait vrai. Rien à dire ? Non, si, à part ça. Il va dire la même chose. Trois musiciens, le métal, la brise de mon esprit. Ah non. Une chandelle éteinte, submergée par l'inondation, une perte de lumière potentielle, de prière potentielle. Ok. Lire. Résolu à se souvenir de la vallée de Tiang, résolu à se souvenir de nos dieux. Inondation prendra nos demeures, tout comme le temps s'emparera de nos corps. Le passé demeure inviolé. Oui. Je peux encore déambuler dans les rues de mon village, dans les couloirs de mes souvenirs. Peut être intéressant de le prendre en photo. J'aime bien ce filtre. Hop. Pas dans les coupelles. Il y a quoi là? C'est une tombe? Ah non. Molly la silencieuse, ces derniers mots ont été les suivants. Régler le problème, puis oubliez-le. C'est un bon mantra, j'ai envie de dire. Et ça, c'est... Attends, c'est intéressant, c'est l'atelier du tailleur de pierre. Non? Bon, ok. Elle veut pas en parler. Ah, ici, il y a quoi? Il y a ça surtout que j'ai pas pris en photo. C'est la fleur qu'il y a de l'autre côté. Putain, il y en a des choses. Rien à dire. Vraiment rien à dire. Ah, peut-être que je l'ai pris du mauvais côté. Oui, je l'ai pris du mauvais côté, en effet. Littéralement le dernier truc, je vais prendre le croquis après, juste d'abord. Voilà, on va prendre ça. Avec la cloche, oui. Une énorme cloche est accrochée à cette tour. Personne n'a la cloche. Ça s'illumine. Je me rappelle la première fois que j'ai vu l'océan. Et quelque chose dans la lumière, dans l'eau, dans les voix des gens, la frontière entre moi et le reste du monde m'a paru très mince. C'était magnifique. Une façon de se rappeler des êtres chers. C'est stylé. C'est très stylé. Et mon croquis. Hop là! Croquillon, croquillon. Croquite avant que la vie nous croquise. Hop là. Ouais. Ah, j'allais dire, il n'y a pas les cerfs-volants, mais ils sont très très finaux. Il y a quoi là-bas? J'arrive, hein, Koshi. Et rapidement, il y a des petites choses ici. C'est peut-être juste une autre entrée, je pense. Non, je pense que c'est juste une autre entrée. C'est juste une autre entrée. C'est juste une illusion. Où on va maintenant, Koshi? Je pense qu'on a un peu fait le tour, hein, je dois t'avouer. Le cimetière. Hop. Des petites images que j'aime bien.
Oh. Il n'y a pas assez de place dans mon petit village pour un cimetière. Ici, les souvenirs ont de l'espace. Le sol est l'endroit où les vivants rencontrent les morts. Peut-être bien que c'est l'inverse. Il manque encore des choses que je veux rajouter. Des choses que je veux mettre. C'est con, j'aurais bien aimé faire ça. Le reste ne m'intéresse pas tant que ça. Ça là, tiens. Ça. Voilà, puis après on a un peu tout mis, hein. Ça, j'aimerais bien le mettre. En termes de... En termes de photos, on est pas mal. Je peux mettre... Ah, j'ai pas mis la conclusion. Qu'est-ce que je peux tège ? Non, je sais, je vais rien tège. À la conclusion, on va la foutre ici. Voilà. Merde. Ça, je voulais foutre là. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Ouais, juste ça aussi dessus. J'aime bien. Un peu glauque. Et why not ? Voilà. C'est sympa, ce que j'ai fait, je suis content. Elle est bien cette page, j'aime beaucoup. Y'a rien après ? Oui, y'a rien après, c'est le dernier truc que j'ai visité. La marée. À la marée, j'ai pas pris... Je suis même pas allé voir son truc à la marée, je crois. Son hôtel, hein, je ne sais pas comment dire. Ça, on n'a pas encore terminé, ça. Terminé. On est reparti ? Maman n'était pas là. Oh merde ! J'étais là. Papa avait les yeux fermés, mais on aurait dit qu'il voyait quelque chose. Je lui ai demandé ce qu'il regardait. Il a répondu qu'il me regardait, moi, et que j'étais déjà grand. Il m'a vu grimper une colline sous les rayons du soleil. Putain. C'est la tombe de son père. Puis, il m'a dit que ses souvenirs se décomposaient et qu'il devait les suivre. Il ne voulait pas partir, mais il le fallait. Il a serré ma main. Ça faisait mal, mais je n'ai rien dit. On peut attendre ici un moment, juste pour voir si quelque chose va arriver. Tout à fait. Yuri. Ah mais oui, mais j'ai lu cette tombe, mais j'ai pas du tout capté. J'ai pas du tout capté que c'était Yuri, son père. J'ai lu, je fais, oh t'es Yuri, c'est rigolo comme la fille dans Code Lyoko. J'ai pas du tout pensé que c'était son père. Normalement, je n'en parle pas.
mais je lui en ai parlé. Oui, c'est vrai. J'ai tout enregistré pour toi. C'est vrai qu'on n'a pas de père, nous aussi. Mais c'est un peu personnel. Je savais juste pas qu'il était mort. Je sais pas si je veux que les gens du futur le sachent. Non. J'avais à peu près ton âge quand j'ai perdu mon père. En grandissant, on me comparait souvent à lui. Je ne savais pas vraiment ce que ça signifiait, mais j'étais fière. Il a fait une chute en escaladant une montagne. Les autres alpinistes ont tenté de le retrouver. Sans succès. Son ami a failli tomber aussi. Peut-être au même endroit. Ils ont arrêté les recherches. Mais je n'ai jamais arrêté les miennes. Je n'arrivais pas à comprendre où il était passé. Chaque matin, en me levant, je croyais qu'il serait de retour. Qu'il pourrait revenir aussi vite qu'il était disparu. J'étais gênée de le chercher. Mais je l'ai fait. En cachette. J'ai pensé à des endroits incroyablement petits, comme l'air que j'expire ou un silence entre deux battements de cœur. C'était stupide. Je me sentais stupide. Et en même temps, je grandissais. J'étais en transformation constante. Chaque matin, je me réveillais un peu différente de la veille. Et j'ai réalisé que mon père était parti dans un endroit où on ne dort pas, d'où on ne se réveille pas, où on ne change jamais. Ils doivent nous attendre là-bas, à l'endroit où nous étions tous, avant le début de nos souvenirs. Il s'est passé quelque chose en effet. Tu t'es endormi. Les bougies se sont allumées, je crois. Je vois mon père, enfin. Non, non. Koshi, n'y va pas. T'es encore ici ? La visite est terminée. Voici ton prix. Ça te va? Je dois rentrer à la maison. On se revoit plus tard aujourd'hui. Vas-y. Ok! On a fini la visite guidée de Koshi. Il a écrit quoi? Flow, flow, flow. Vogue, vogue, vogue. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Tour de Tiang. Je suis un garçon dans un tour guidé. Tiang à vélo. Voilà. Mais on peut terminer ça, enfin. On va mettre en grand. Koshi ramassait des objets partout dans la vallée et les déposait sur la tombe de son père. J'ai recueilli des souvenirs. Où est-ce qu'ils vont finir? Au musée des mémoires? Pour être bien. J'ai envie de le mettre, tu vois, le mettre comme ça. Koshi devant. Tombe bien, j'ai mis ces trois trucs à côté, c'est les cadeaux qu'il a mis sur la tombe de son père. C'est fou. Et tout ce qu'il a trouvé sur la... Ah non, j'aurais peut-être dû faire. Moi, je sais pas si j'ai envie de le mettre. J'ai pas envie de le mettre, ça.
Merde! Putain, je m'en sortais pas avec mes boutons! Voilà! Alors... ça. J'ai envie qu'on voit bien Koshi. Hey. Ouais, j'aime bien celle-là. C'est ça que je trouve un peu bizarre. Et je saurais pas quoi mettre à la place. Je sais pas, non, ça j'aime pas trop. Juste ça comme ça en vrai, non? Oh, j'ai une idée. Je viens d'avoir une super idée. Et voilà! Elle est belle! J'aime bien. Ça c'est bon. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il nous restera à faire la prochaine fois? Du coup, qui est la marée? Donc il faudra aller sur son sanctuaire. Qui est le dieu du champ, du champ des fleurs? Ça, il faudra aller lui parler si je peux. Le néant, du coup, c'est son blaze. Je pense qu'on avait besoin des noms pour pouvoir prier. Du coup, ça on pourra le faire, ça on pourra le faire. Et bien, du coup, la prochaine fois, on pourra. Terminer ces deux trucs, c'est ce qu'on fera. Et ensuite, voilà, j'ai la petite étoile autour de Koshi. Et il nous manque plus que Izel, qui est à droite au niveau du sanctuaire. Donc ça, faudra qu'on voit ça après. Et sinon, on a fait toute une rive. Donc je suis content. Je suis content. C'est cool. On a fait toute une rive, on n'aura plus qu'à faire la partie à droite du sanctuaire. Bah, tant qu'on est là, on en profitera juste pour aller au site des fleurs. Site de fouille, là, juste à côté. Bref, ouais, du coup, j'ai coupé ici. Bah, dans tous les cas, la suite viendra demain. YouTube, les bisous. Et à demain!